cette obsession lumineuse à parler de la mort, du paradis, de l'insignifiance de la vie pendant ces derniers temps. Et ce qui m'a encore fasciné, ce sont les invocations auxquelles il s'intéressait. Il les récitait via Internet et l'imam lui donnait la bonne prononciation. Et vous le verrez de vous-même. Ici encore, c'est une invocation contre les supplices de l'enfer qui l'intéresse. Avait-il pressenti ce jour, lui pour qui l'imam avait déjà pris attache avec une structure pour recevoir et verser sa zakat le samedi 10 juin dernier, lui dont le pouce est en attente d'un enfant, lui dans la tête de qui débordait tant de projets, suivant l'une des dernières invocations qu'il a revisitées avec l'imam avant son rappel à Allah. Assalamu alaikum, Cheikh. Donc voici enfin le doigt que tu m'as dit de réciter pour que tu puisses bien prononcer. Donc je vais réciter, tu suis doucement. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ça veut dire Rabbana, ô notre Seigneur, asrif anna, éloigne de nous azab jahannam, le châtiment de l'enfer. Inna azabaha ka, le châtiment de l'enfer, kana gharama, est assez humiliant. Merci et bonne réception, et qu'Allah t'en fasse profiter, inshallah, qu'il nous protège tous du fait de l'enfer, de l'humiliation de l'enfer du jour du jugement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon petit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon dedans. Alhamdulillah, Rabbi Alami, j'ai reçu votre note vocale par rapport à l'invocation du doigt que m'avait envoyé, mais j'ai rectifié ça, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Donc, j'ai répété encore, et comme ça, vous allez écouter, et puis vous allez voir, Inch'Allah, que j'ai rectifié. A'ouzou billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbana asrif anna azaba jahannam. Inna azabaha kana garama. Rabbana asrif anna azaba jahannama. Inna azabaha kana garama. Donc voilà, alhamdulillah, j'ai rectifié ça. Donc si vous pouvez me renvoyer l'autre doigt là, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, et puis qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites. Et on se tient en courant, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant que l'aube ne vienne chasser les derniers soupçons du clair-obscur abandonné par la nuit folle, qui suivra Tioté dans son voyage éternel? Celui qui vous parle, ou vous qui m'écoutez? Que ceux qui savent entendre, entendent, et que ceux qui savent méditer, méditent. Ya Allah, pardonne les manquements de notre frère, accueille-le dans le Jannat Firdaus, et accorde-lui les mérites de toutes ses bonnes actions et ses bonnes intentions. Ya Allah, console sa mère et fait miséricorde à son père qui n'est plus de ce monde. Ya Allah, console son épouse et accorde-lui un bonheur plus grand. Assis ses enfants, Seigneur, et sois leur protecteur afin qu'ils soient l'incarnation achevée de la piété de leur père. Allahumma amin. Et toi qui m'écoutes, dis-moi une chose, et si tu étais à la place de Cheikh Tioté en ce moment même. Merci à Koulibaly Mamadou et à Bamba Youssef.